fait longtemps que je n'étais pas venue me montrer la binette pour l'inhalation, le volet inhalation, mais je voulais vous montrer, moi, qu'est-ce que j'utilise à la maison. C'est différent d'un diffuseur. Il y a des diffuseurs d'huile essentielle sur le marché. Il y en a plusieurs à laquelle vous ajoutez de l'eau et quelques gouttes d'huile essentielle. Moi, je préfère de loin, et ça fait des années, ce que j'utilise, c'est un nébulisateur d'huile essentielle. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ceci. Il y en a aujourd'hui des beaucoup plus beaux dont la base est en bois, tout ça. La différence avec le nébulisateur, c'est que on met l'huile essentielle pure directement dedans. Et le petit moteur, en même temps qui sert de base, ça ressemble un peu au moteur pour la filtration des aquariums. Okay? C'est un peu le même principe. Donc, lorsqu'on met notre huile essentielle par ici, j'ai un petit bouchon de liège, je verse mon huile essentielle, ça n'en prend pas beaucoup. Vous voyez, j'en ai un petit peu dans le fond. Et on referme, c'est important de refermer l'ouverture. Et ça fait longtemps que je l'ai, fait que mon bouchon il est un peu séché. Voilà. Et lorsqu'on va le brancher, l'air va pousser l'huile essentielle contre la paroi, puis ça va faire une très fine bruine microscopique quasiment, très très fine, qui va sortir par l'ouverture ici. Donc, quand on utilise un nébulisateur comme ça, on le laisse fonctionner pas plus que 10 à 15 minutes par pièce, si vous voulez. Donc, moi, je le laisse fonctionner 15 minutes par pièce quand je fais le tour de la maison avec. C'est idéal s'il y a quelqu'un qui souffre de la grippe, d'un virus ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, on peut mettre l'huile essentielle adaptée. Ça peut être aussi si on est fatigué, si on a besoin de concentration dans notre pièce de travail. À ce moment-là, on peut le brancher 10-15 minutes. L'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de romarin est excellente pour la concentration. Donc, c'est ce que j'utilise. C'est pas donné quand on regarde les prix. À l'époque, je l'avais payé environ une centaine de dollars avec les taxes comprises, mais j'aime beaucoup mieux le nébulisateur que le diffuseur d'huile essentielle dans lequel on ajoute de l'eau. Donc, je voulais vous montrer la différence. Alors, c'est un bon investissement. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'est certain que à un moment donné, ma pièce ici en verre, elle avait brisé, puis j'en trouvais pas de rechange. Si j'en voulais un autre, il fallait que je rachète au complet. Donc, j'ai racheté au complet la base parce que juste la pièce en verre, je la retrouvais pas pour en vendre. Ils la vendent pas uniquement. Donc, voilà, c'est pour l'inhalation. Vous faites ça, puis allez voir la vidéo du docteur Willem. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif. C'est une amie et une abonnée de ma chaîne, Nathalie, qui m'a partagé cette vidéo-là. C'est au sujet de l'Alzheimer avec le romarin à cinéole, juste par inhalation, environ, je crois, c'est 5 fois par jour. Il faudrait que je réécoute sa vidéo, mais moi, je laisse diffuser une quinzaine de minutes dans chaque pièce. Pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, il y a une nette amélioration. Ils ont fait des études là-dessus et vraiment, il y a une amélioration. Il dit que ça va restaurer. Il vous explique dans la vidéo vraiment c'est quoi la composante de l'huile essentielle de romarin qui va agir au niveau de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui est très important, c'est le romarin à cinéole pour dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!